Sur un air d'accordéon, dans toutes les régions, toujours la même chanson, pour les filles, les garçons. Dans tous les yeux, on délire, tout ce qu'ils voudraient se dire, les cœurs battent à l'unisson. Bonjour à tous, bienvenue sur l'antenne de France 3. Alors aujourd'hui j'ai une compagnie extraordinaire, Delphine, s'appelle la gamine, Delphine Lemoine, l'applaudit très fort mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Jolie hein. Ah ouais. On est bien entouré à France 3 sur un air d'accordéon. Ma chère Delphine, nous allons regarder ensemble un extrait du plus grand des accordéonistes populaires, monsieur André Verschuren, la valse de la forêt. De la musique populaire, André Verschuren. Je me rappelle beaucoup de souvenirs quand on a tourné cette séquence. Oh, il y a eu un grand moment d'amitié, une grande soirée. Merci André, et puis on le retrouve évidemment dès la rentrée dans l'émission. On va changer de style. Je vous propose maintenant de retrouver un des plus brillants élèves de Jacques Mornay avec ses stages d'accordéon là-bas à La Rode, dans le Puy-de-Dôme. Il est russe et il est venu sur le plateau pour nous faire une petite démonstration de cet accordéon folklorique. Roman Jbano, qui nous joue l'arène de Victor Grédine. Thank you.
Style l'accordéon. Vous avez certainement apprécié la technique de Roman Chpano, formidable école russe. On change de style, on revient à la musique populaire du Passo Doble. Une Jeannette qui est à côté de moi tout à l'heure, Delphine Lemoine, on l'a déjà vue dans l'émission. Elle est venue aujourd'hui cet été passer un petit moment avec nous. Elle nous joue un Passo Doble qu'elle a dédié à Lucette, à qui je fais la bise. Fiesta chez Lucette, c'est le bal musette, c'est la fête. On y va, Delphine Lemoine. Thank you.
Les applaudissements sont mérités pour Delphine Lemoine, la fiesta chez Lucette. Allez rejoindre le bar de l'accordéon, chère Delphine, sous les applaudissements du public. Du bon garin, sont déchaînés. C'est l'été, c'est les vacances, on en profite un maximum. Alors, maintenant, si vous avez envie de passer dans l'émission, vous êtes jeune, vous avez moins de 16 ans, vous voulez participer au Grand Prix France 3, eh bien n'hésitez pas, envoyez-nous un petit courrier avec une cassette audio ou vidéo, un seul titre, ça suffit. Vous mettez surtout vos coordonnées et une photocopie de la carte d'identité, il faut avoir moins de 16 ans. L'adresse sur un air d'accordéon, boîte postale 493 59 022, Lille Cedex. Une rubrique que vous adorez, voire même adulée, c'est cette séquence chanson à la carte. Je vous emmène en 1920, c'était le bon temps, comme disait André Verschuren il y a peu de temps, le bon vieux temps du Charleston. Chanson à la carte, j'étais en train de tailler une petite babette avec notre amie Delphine. Elle me dit qu'elle sait danser le Charleston. Alors on va s'exécuter après, ma chère Delphine, dans quelques instants. Je propose de regarder ensemble d'ailleurs l'accordéon club de Verdun, dirigé par Francis Carpentier. Nous sommes dans la Meuse, c'est Lorraine Champagne-Ardenne, la région qui est à l'honneur aujourd'hui. Il nous interprète Kalinka. Allez mon petit Francis Carpentier, on dirige ça de main de maître.
Bah dites donc, aujourd'hui on est servi, hein. Holger Russe, Kalinka, bravo monsieur Francis Carpentier, l'accordéon club Verdunois, à la Meuse, on les salue. Vous voulez passer dans l'émission avec votre école, n'hésitez pas, envoyez-nous un petit courrier, photo et puis une cassette quand même, qu'on puisse vous auditionner. Les coordonnées surtout pour pouvoir vous rappeler rapidement. Sur un air d'accordéon en boîte postale, 493 59 022, Lille Cedex. Vous savez qu'on danse dans toute la France, il y a les festivals, les concours d'accordéon, les stages et les orchestres en tournée. Vous pouvez tout connaître en appelant notre serveur. C'est facile, 08 36 68 53 33. Un téléphone qui peut toujours servir, 03 20 13 20 11. On va retrouver, ma chère Delphine, maintenant une séquence extraordinaire. Nos amis Louis Ledrich, Roger Si, leur chanteur, évidemment, Serge Petitet, dans une nouveauté que j'ai eu le plaisir d'écrire avec eux et qui s'appelle « C'est la nuit des troubadours », c'est le cas de le dire. Ça fait comme un poisson.